Eh bien, bonjour les gamers, j'espère que vous allez bien, c'est Roniga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les récompenses Clash d'équipe. Allez, on est parti. Allez, on va chercher ça. Alors, on a fini Elite 2. Avec deux packs joueurs Electrum Rare, un pack joueur Premium Heure et 14 000 credits. Bon. Alors, on a l'équipe de Rachel Stringer, présentatrice d'eSport. Allez, hop, on va voir les récompenses. Ben, on va commencer par celui-là. Allez, fais plaisir, eSport! Anglais, âgé. Oh, Grealish. Grealish. Avec Eriksen. Bah, ça va me permettre de remplir un petit peu mon club parce que je les avais vidés avec les renforts 75+. Et renforts 75+, j'ai eu pas mal de chance en fait dessus. On va mettre à 2008. Allez. Crédit, hop, 2008. Le reste, je vais garder. On ne sait jamais. Ensuite, eh ben, deux packs joueurs Electrum rares. Essayons d'avoir un peu de chance là-dessus. Allez, parti. En plus, il y a les TOTGS. Non, pas d'animation. Petite, 83, 84. Aspilicueta. Je l'ai déjà. Nani, Brita, ça va me permettre en plus. Oh, en plus, il joue en Arabie Saoudite. Normalement, ça va coûter 2000, 150. Oh, je vais te mettre à 550. Tu vas partir ensuite. Turc, italien. Je verrai après les gars. Aspilicueta. On va mettre à 1002. Voilà, le reste je les garde. Et le dernier. Alors le dernier, hein, espérons avoir plus de chance. Allez. Au moins t'es au TGS là, eSport. Voilà, 83, 84. Voilà, piqué, j'ai déjà. Piqué, Witzel et Kramaric. Hop, je vais les mettre en dans les transferts. Transfert, transfert, transfert. Le reste, je vais garder. Bon, bah voilà. Hein. C'est pas non plus des récompenses assez folles. Hein. Sérieusement. Voilà, les jours, enfin les semaines se ressemblent. Maintenant, je vais les mettre de côté pour essayer de. Enfin, certains packs, je vais mettre de côté pour la Toti. Vu que ouais, je mets pas de sous dessus. Alors, qui est parti? Grealish, Icardi. Ouais, tout est parti, c'est bon. Je mets pas de sous. Je mets pas de sous dessus de cette année. Pour moi, ça va encore. Je vais pas à me plaindre parce que j'ai des équipes. Je me suis créé une petite équipe hier avec les joueurs que je me suis fait sur les objectifs. Les Portugais, si. Et puis après, j'ai fait Redivisie. J'ai fait un match. J'ai acheté comment? Van Nistelrooy à 86 000. Et franchement, pour le prix, il m'a mis déjà un but.
Je l'ai testé en Rivals. Ils font le taf, hein, franchement. Ils font le taf. Ah, c'est des joueurs que voilà. Non vendables ici, à part Van Dijk, mais le reste. Ils sont pas vendables. Par Gundogan aussi, je crois. Et puis bah. Après, comme vous voyez un peu les joueurs, bah, ils commencent à baisser aussi. J'ai fait celle-là. C'est ma plus grosse en fait, c'est celle que je joue plus souvent. Mais bon, j'y arrive pas du tout. Alors j'ai dit bon bah je vais essayer une autre. J'ai testé, pardon, j'ai testé d'autres, puis ça a fonctionné. Et puis bah je suis en train de me faire la petite équipe pas de Madrid. Il faut que je renomme. Je vais renommer. Je vais renommer tout de suite comme ça. On sera tranquille. Hop, Liga. Voilà. C'est une petite Liga pour l'instant. Alors comme je vous avais dit sur les 75 plus, j'ai eu de la chance, j'ai eu Kroos et puis Benzema boost non vendable. Ça me permet de faire une petite Liga Santander. Bon, il manque un petit gardien que j'ai déjà, je crois. Il faut que je le mette. Il est en dessous. Allez là, Ramiro. Voilà. Ça a testé aussi. Mais pour l'instant, je suis bien avec celle-là. Voilà. Ils sont simples, ils sont. Voilà. Ils sont très bien, moi je dis. Voilà. Bon bah voilà les gamers. Les récompenses clash d'aube d'équipe. Hein. Comme à chaque fois. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu. Allez voir la chaîne de Petit Seb et puis Lab76. Ils sont bientôt à 1000 abonnés. Surtout Petit Seb, il est bientôt à 1000 abonnés. Et là, ça lui fera un petit peu plus de monde si vous voulez aller les voir. Je vous dis à très bientôt les gamers. Pensez au petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Je vous remercie pour vos abos. Et puis je vous dis à très bientôt.